Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Zadverse pour parler d'un nouveau tuto. Nous allons donc expliquer le tuto ticket. Donc, nous allons présenter un système de tickets assez élaboré avec des transcripts, des systèmes de claim, des systèmes de perm, des modals, plein de choses que nous allons vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais commencer par les premières commandes. Ici, nous voyons la commande ticket. Du coup, en déclencheur de commande, vous mettez celle que vous voulez parce que ce sera juste pour afficher le panel de configuration. Du coup, voici le code. Donc, c'est un code assez simple, mais qui est quand même assez pratique parce que vous pouvez voir du coup les select menu options pour la configuration du panel. Nous allons passer du coup aux commandes on interaction. Du coup, ici vous pouvez voir les on interaction ticket config, les await commandes, puisque du coup vous allez pouvoir envoyer un message sur Discord et ça va save automatiquement votre choix. Là, on va du coup regarder le ticket on interaction pour le ticket config. C'est lui qui va déclencher du coup chaque awaited commande. Voilà, code assez simple. Et en préfixe, vous mettez on interaction entre crochets ticket config. Du coup, pour le premier awaited commande, c'est transcript channel. Du coup, c'est pour la transcription du ticket. Donc, assez simple, pas très grand, vous pouvez voir 39 lignes. Pour le deuxième, c'est awaited titre. Donc, c'est ce qui va du coup setup le titre du panel. Voilà. On va vous montrer plus rapidement chaque awaited de commande parce que c'est pas forcément très important. Et du coup, on va directement aller sur Discord pour tester le panel et la commande et voir la présentation. Et du coup, maintenant que tout est terminé, nous n'avons plus qu'à envoyer le panel. On va mettre ici. Tournage. Et du coup, il envoie. Du coup, ça met le test, c'était les valeurs par défaut. On va ouvrir un ticket, la raison du ticket, le par de, hop, envoyé. Et ça ouvre du coup le ticket. Ici, ça envoie aussi dans les MP, comme vous avez vu, ça envoie ici un ticket. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Si vous avez besoin d'aide, le serveur Zadverse est ouvert. Vous avez les invites dans la description. Merci à tous.
Et du coup, maintenant que tout est terminé, nous n'avons plus qu'à envoyer le panel. On va mettre ici. On nage. Du coup, il envoie. Du coup, ça met le bad test. C'était les valeurs par défaut. On va envoyer un ticket. La raison du ticket. Par. De. Hop. Envoyer. Et ça ouvre du coup le ticket. Ici, ça envoie aussi dans les MP. Comme vous avez vu, ça envoie ici un ticket. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez besoin d'aide. Le serveur Zverse est ouvert, vous avez les invites dans la description. Merci à tous.